Je vous ai montré dans ma première vidéo comment, selon moi, les trois pyramides de Gizeh représentent les trois planètes Mercure, Vénus et la Terre, vues depuis le Soleil. J'ai même découvert après coup que cette corrélation avait été auparavant étudiée par le physicien Hans Jelitto. Au-delà de ces trois pyramides majeures à Gizeh, j'ai proposé d'étendre à l'ancienne région de Memphis ces corrélations en identifiant la pyramide de Djedefre à Jupiter, ainsi que celle de Djoser à Saturne. Je n'avais cependant pas trouvé de corrélation pour la planète Mars, ni éventuellement pour le Soleil. C'était sans compter sur les capacités des anciens Égyptiens à compiler les données astronomiques de notre système solaire en se servant des pyramides égyptiennes comme des sortes de poupées russes. La grande pyramide de Khoufou représente la Terre, rien que la Terre, même si sa géométrie intègre la Lune. Khafré représente Vénus, mais sa base originellement ceinturée de granit rose signifie le Soleil. Menkaouré représente Mercure, mais elle représente également Mars de par sa base en granit rouge sur près de 20 mètres de hauteur. L'analogie avec les planètes, grâce aux proportions des pyramides et à leurs nuances de couleurs, vous aura peut-être séduit. Mais pour couronner le tout, place à ma démonstration. Alors rassurez-vous, vous aurez la possibilité de vous réfugier aux côtés du dieu hasard pour expliquer tous ces anachronismes historiques. Alors en préambule de la démonstration que je vais faire après, je voulais revenir sur quelques points. Donc voilà, on a une vue du plateau de Gizeh, les trois pyramides, depuis l'ouest, c'est pour ça que j'ai bien indiqué le nord, le sud. Les noms des pyramides, Khéops, Khéphren, Mykérinos, c'est les noms grecs. Je vais petit à petit faire de mon mieux pour éviter d'utiliser ces noms-là, qui ne sont pas les noms d'origine tout simplement, pour revenir sur les noms originels que sont Khoufou, Khafré et Menkaouré. Donc j'espère que je prononce tout ça bien en égyptien, parce qu'en fait on perd des informations à chaque fois. Par exemple, hein, les informations qu'on perd, c'est que surtout sur, par exemple, on constate vite fait, hein, sur Khafré et Menkaouré, on a Ré. Là, en fait, on a le soleil, la mention du soleil sur celui-là, ce qui est important par rapport à ce que je vais vous montrer derrière, parce qu'il y a une certaine cohérence pour moi, même dans les hiéroglyphes. Bon, comme je ne suis pas spécialiste de ça, je ne vais pas trop m'étaler. Juste bien préciser que dans le cartouche de Khoufou, on a un truc qui ressemble à ça. L'orientation des traits, c'est pas toujours les mêmes. On a ensuite un truc comme ça, et on a un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je trouve ça cohérent, parce que moi qui associe Khoufou à la Terre, Khafré à Vénus, et on le verra au Soleil, et Mykérinos à Mars et à, et à mercure, je vois, il me semble détecter dans ces cartouches-là, peut-être certains indices, en tout cas des trucs, des analogies à faire. Là, moi, je peux tout à fait imaginer que ça puisse représenter la Terre, ou en tout cas que CU représentait la Terre. Là, on a le Soleil. Il faut savoir qu'à partir du moment où là j'ai le Soleil et Vénus, il peut y avoir des conjonctions Soleil-Vénus, c'est possible. Et pareil pour Mercure. Donc, je vois peut-être des choses là où il ne faut pas en voir, mais c'est juste pour dire que plus j'avance dans mon hypothèse, plus je vais avoir besoin d'aller voir ailleurs, dans d'autres registres, pour voir si je trouve pas des trucs qui alimentent, voilà, qui alimentent ma théorie tout simplement. Et il me semble qu'il y en a. Voilà, alors, je crois que j'ai pas parlé de l'horizon de Khoufou aussi, ça c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai mis les directions. Khoufou, la pyramide de Khoufou, on l'appelle l'horizon de Khoufou. Donc si on se positionne par rapport à là, effectivement par rapport à ce que je propose, on a un horizon au sud, qui est la zone du ciel où on voit passer tous les astres errants, donc le soleil et les planètes. Effectivement, on a un horizon, dans mon hypothèse, sur donc le soleil, bien sûr, en fond, et le passage de Vénus, de Mars et de Mercure. Donc ça, j'y vois une certaine cohérence, et je pense que c'est important de rappeler que, voilà, que cette pyramide, entre autres, on l'appelait l'horizon de Khoufou. Pourquoi l'horizon de Khoufou? Dans ce que je propose, c'est une espèce de... J'ai utilisé le terme de planétarium. On aurait une représentation des planètes du système solaire. Un horizon nous laisse voir les planètes du système solaire circuler d'est en ouest, voilà, quand on regarde vers le sud. Bref, voilà, ça c'était juste... c'était principalement... essayez de vous y habituer. Je vais utiliser maintenant les termes égyptiens, je trouve ça plus respectueux et ça apporte de l'information supplémentaire. Donc maintenant on est parti sur la démonstration. Alors 440 coudées pour Khoufou, Khafré c'est 411 coudées et Menkaouré c'est 200 coudées. Et le truc que j'apporte supplémentaire dans cette vidéo, c'est qu'après avoir identifié la grande pyramide à la Terre, la médiane à Vénus et la petite à Mercure. Maintenant, je vous propose de rajouter une grille de lecture supplémentaire via les couleurs et les matières, mais surtout les couleurs. À savoir que Khoufou était entièrement en parement de calcaire blanc de Tourah. Khafré, pardon, c'était pareil, à une nuance près, et il y a encore des traces aujourd'hui, que on a un liseré. Alors je ne sais pas du tout sur quelle hauteur. J'ai pas encore l'information, je suis en train de chercher, je ne sais pas si c'est possible de le savoir. On a un liseré donc de granit rose. Quelque part, j'ai envie de vous apporter une réponse à pourquoi ce liseré en rose. On ne l'a pas mis là, on le met là. Et surtout aussi pourquoi on a ceinturé la petite pyramide de Menkaouré de granit rouge ce coup-ci. Pourquoi rose ici, pourquoi rouge là? On verra ça en toute fin. Là je vais passer sur la démonstration peut-être la plus fatigante pour vous, les maths, mais il faut en passer par là. Alors on va commencer sur le plus facile et là où j'ai le plus d'éléments. C'est la petite pyramide, donc bicolore. On peut considérer qu'elle est bicolore. On ne sait pas assez souvent parce que ça ne se voit plus maintenant en fait. Il y a encore le parement de granit rouge, il y a encore une partie du parement en haut, mais voilà, elle est quand même fortement usée, ça ne se voit plus, mais elle était bicolore. D'ailleurs, c'est représenté comme ça dans la présentation que je vous ai montrée juste avant, c'est représenté comme ça. Dassault Systèmes qui a fait une reconstitution 3D aussi, c'est pareil. Elle est bien représentée comme ça. Elle est moins souvent représentée avec le liseré rose là, mais dans tous les cas, voilà, c'est factuel tout ça. Donc une fois qu'on a rajouté ces codes couleurs, on se concentre sur la petite pyramide. Et la petite pyramide, on va ajouter ses mensurations. Donc on sait déjà qu'elle fait 200 coudées de large, maintenant on va passer en mètres. Donc en gros, on a 104,72 mètres. La hauteur, on a 65,45 mètres. Et la hauteur du liseré, on a environ 20 mètres. C'est très imprécis et là-dessus, je ne serai pas fiable à 100%, mais vous verrez que je retomberai sur mes pattes et que de toute façon, pour tout le reste, c'est du concret, c'est du lourd. Alors, le premier truc qu'on va faire, puisque je prétends qu'en plus de représenter Mercure, elle représente Mars, de par la couleur rouge de son parement, eh bien, on va vérifier un truc, on va vérifier que, en fait, le diamètre de Mercure sur le diamètre de Mars, pardon, le diamètre de Mars divisé par le diamètre de Mercure est sensiblement égal à la hauteur totale de la pyramide, donc des 65,45 mètres, divisé par la partie blanche, donc qui fait environ 40,45 mètres. Alors faites-moi confiance pour les calculs, je les ai vérifiés et revérifiés, vous pouvez le vérifier vous-même. On tombe dans l'état actuel des choses, on a les rapports de planètes, on a 1,39, donc qui est sensiblement égal au rapport des hauteurs de la pyramide qui est de 1,44. Voilà, c'est cette valeur qui est pour l'instant un peu floue, mais on a une égalité correcte. Comment on va aller plus loin là-dedans? On va montrer une nouvelle corrélation. Et on reviendra après sur celle-là pour préciser ce 20 mètres. Donc, hop, on efface ça. Et cette fois-ci, on va faire intervenir donc la base. Cette fois-ci, on va faire intervenir la base. De quelle manière? Donc, je rappelle, je pense que la partie, la pointe de cette pyramide qui est en calcaire de Tourah représente Mercure et que le ceinturage représente Mars. On a vu que la proportion est sensiblement la même sans avoir l'information à 100% fiable des 20 mètres ici. Eh bien, ce que j'apporte comme données supplémentaires, c'est que cette partie qui représente Mars, quand on prend le diamètre de Mars, 6879, pardon, et qu'on le divise par le périmètre, c'est-à-dire 4 fois 104,72. Alors précisément, c'est 0,104,72 si on veut rester dans la même unité de mesure. Donc en kilomètres, on obtient, je vais le mettre dessous, 16 183. Le nombre d'or dans une proportion de... Hop. On a le nombre d'or à 99,98% de précision. Le nombre d'or de signifié. Donc, corrélation supplémentaire. À partir du moment où on constate qu'il y a un lien entre Mars et ce périmètre, qu'il y a un lien au nombre d'or, la question à se poser, c'est est-ce qu'on n'aurait pas la même chose pour cette largeur-là, la largeur de la base de la pyramide blanche en calcaire de Tourah, qui représenterait Mercure. Eh bien, pareil, je vous laisse me faire confiance parce que sinon ça va saouler que je vous fasse tous les calculs au tableau. J'ai simplement pris le diamètre de Mercure, donc 4879 km, et j'ai divisé par 16180. Et si ça fonctionnait de la même façon, eh bien, je suis tombé sur une valeur de 75, je ne vais pas le marquer parce que je vais marquer en coudé après, en mètres, 75,39 mètres. Qui, retranscrit en coudé, me donne 144 coudées. Pile à un poil de chameau près, c'est 144 coudées. Donc encore un nombre rond, et moi ça me semble parfaitement logique, puisque pour toutes les pyramides, que ce soit les bases ou les hauteurs, c'est en coudées ronds. Là on a 440 coudées par 280, là on a 411 par 274, pour certains c'est 410 par 275, maintenant je suis sûr que c'est 411, mais passons, bref. Et pour Mykérinos, on a 200 coudées de large par 125 coudées de haut. Donc c'est à chaque fois des coudées rondes. Et là c'est pareil, 144 coudées de large avec ce calcul. Et la hauteur fait 90 coudées de haut. Pile 1 aussi. C'est rond. C'est un chiffre rond. Donc c'est parfait. Et quand on retranscrit du coup, à partir de ces valeurs que je dis bien sont théoriques, hein, à la hauteur du parement rouge, on obtient 18,3 mètres. Donc c'est théorique et c'est le seul truc qui t'a vérifié dans toute la démonstration que je vais vous faire. Voilà. Sur Wikipédia, il y a marqué un peu plus de 20 mètres. Donc c'est pour ça que je vous dis environ 20 mètres. Un peu plus de 20 mètres, c'est, je sais pas, 21 mètres. Mais comme il y a d'autres mesures sur Wikipédia qui ne sont pas correctes, notamment la hauteur actuelle de Khéops, Khoufou, pardon, voilà, c'est pas fiable à 100%, faut aller plus loin, faut vérifier, mais je mettrai ma main à couper qu'à la base c'est 18,3 mètres de hauteur. Donc je mets ma main à couper, hein. Au pire il me restera la main gauche. Voilà. Ça fait, si je dis pas de bêtises, 2 corrélations que je vous montre. Il y en a d'autres. Alors, je vais faire un rappel pour en venir aux proportions, cette fois-ci, des pyramides entre elles. Si là j'ai la Terre, et que là j'ai Vénus, on constate que c'est cohérent, puisque la taille de Khéops, en rapport de la taille de Khéphren, est dans la même proportion que Terre par rapport à Vénus. Par contre, et ça c'est un truc que j'aurais bien aimé qu'on me fasse remarquer à un moment donné dans ma première vidéo, parce que je le dis pas, parce que dans ma première vidéo, alors je vous invite à aller la voir, sinon vous n'allez pas comprendre ce dont je parle, je montre que le plateau de Gizeh, dans une première lecture, c'est une vue du système solaire depuis le Soleil. Et vue depuis le Soleil, c'est-à-dire vue depuis le sud-ouest, les proportions des pyramides ne sont pas les mêmes. Et donc, le Mykérinos apparaît depuis le sud-ouest, sur le point de vue touristique dont je vous ai déjà parlé. Mykérinos apparaît aussi grande, quasiment aussi grande que la Terre, légèrement plus grande, et Khéphren est la plus grande. Khafré est la plus grande. Pourquoi? Parce que depuis le Soleil, quand on va dans un logiciel d'astronomie, depuis le Soleil, Vénus est la plus grande, Mercure, qui est la plus proche du Soleil, est un peu plus brillante que la Terre, qui est la 3e planète en partant du Soleil. Voilà. Donc ça, c'est une première cohérence, une première grille de lecture. Maintenant, deuxième grille de lecture, c'est de dire que Khoufou, dans tous les cas, c'est toujours représente la Terre. C'est la Terre, rien d'autre que la Terre. Et d'ailleurs, ça s'illustre, je pense, assez parfaitement dans le fait que c'est la seule des pyramides qui puisse géométriquement s'inclure dans une sphère. Si vous l'incluez dans une sphère, vous êtes là au niveau de, on va dire, l'équateur de la sphère, et puis la pointe, elle touche, elle tangente la sphère. Voilà, elle s'intègre parfaitement, ça représente, c'est un peu le point de référence, voilà, l'horizon de Khoufou, c'est la base. Cette pyramide, en tout cas extérieurement, ça représente la Terre et rien d'autre. Et c'est pour ça qu'elle est en couleur, une couleur unique, en calcaire blanc de Tourah. En ce qui concerne, donc maintenant, deuxième grille de lecture pour Khafré, Khéphren, on a ce liseré qui, pour moi, représente le Soleil. Mais c'est un liseré très subtil, très difficile de faire entrer en compte une notion de proportion, là, pour le coup. Mais concernant Mykérinos, là, elle est bicolore, on a quand même un bon parement de granit rouge. Je vous ai déjà montré les liens qu'on peut trouver qui lient ces deux couleurs et cette pyramide à Mercure et à Mars. Maintenant, il faut qu'il y ait une cohérence dans les proportions aussi. En tout cas, c'est préférable et c'est le cas. Donc si vous comparez la taille de la grande pyramide à la petite, ça ne correspond pas à la comparaison qu'on pourrait faire entre la Terre et la Lune, ni la Terre et Mercure, ni la Terre et Mars. Ça ne fonctionne pas. On a un rapport de 440 sur 200, donc on a un rapport de 2,2. Donc là où maintenant je vous apporte un élément supplémentaire qui valide très fortement mon hypothèse, c'est que vous prenez le diamètre de la Terre, 12 742. Je vais faire sans mes notes, comme ça je vais me la péter, je connais tout mon sujet par cœur. Hop. Et on divise par le diamètre de Mercure, qui est 4779, plus le diamètre de Mars, qui est 6879. Alors là j'ai un doute sur le 6879, ça ne me parle pas. Ouais, je sais où je me suis trompé, c'est 4879 et là c'est 6779. Divisé par 2, c'est-à-dire qu'on prend les deux volumes Mars et Mercure, on divise par 2. Ok? Donc je l'ai indiqué pour que vous compreniez. Maintenant, ça nous donne 5829. 5829. Oula, vous allez me dire, peut-être ça n'a pas de sens. Pourquoi faire ça? Pourquoi prendre les diamètres de ces deux planètes et diviser par 2? Mettez-vous à leur place. Ils ont cherché à compiler des données astronomiques. Comment ils ont fait? Et quand on chemine un peu dans le raisonnement, bah on se rend compte que c'est la manière la plus parfaite, géométriquement parlant, mathématiquement parlant, pour le faire. Et donc, on fait la synthèse du diamètre de ces deux planètes, on divise 12 742 diamètre de la Terre par cette synthèse de Mars et de Mercure, enfin j'appelle ça la synthèse, et on a, bah je vous dis tout de suite, un résultat très sensiblement égal à 2,2, parce que ça, si vous le faites, ça fait 2,19. Voilà, troisième élément qui pour moi démontre que cette petite pyramide de Menkaouré, Mykérinos, représente par son parement rouge Mars et par sa pointe en calcaire de Tourah blanc Mercure. J'en ai fini pour cette petite pyramide, c'est sur celle-là que j'ai le plus d'éléments. À la fin, je fais on va dire le clou du spectacle pour verrouiller définitivement la démonstration. Et là, on va partir sur le liseré de granit rose de la pyramide de Khafré. Hop. Donc on considère cette pyramide. Hop. Le liseré rose. J'aimerais bien avoir, je suis vraiment en recherche de ça, tout comme la hauteur du parement de la petite pyramide. Là, celle-là, si je pouvais trouver la hauteur, parce que j'ai d'autres éléments éventuellement qui feraient le lien entre la hauteur de ce liseré et le diamètre du Soleil divisé par le nombre d'or fois 1 million, je crois. Mais je laisse ça de côté. Pour l'instant, je n'ai pas cette valeur. Donc, cette fois-ci, pour montrer le lien qu'il y a entre ce liseré rose et le soleil, je vais faire exactement, encore une fois, cohérence, exactement comme j'ai fait tout à l'heure pour l'autre pyramide. C'est-à-dire que je vais prendre le côté, je vais aller direct droit au but, comme ça ce sera... On prend 12 104 et on divise par le périmètre de Khafré-Khefren. Donc là, c'est 411 coudées, je ne sais plus combien ça fait. 411 coudées, est-ce que... Ça fait partie des choses que vous vérifierez, hein. J'ai pas envie de passer 10 ans à chercher. J'essaye de faire le montage en une seule fois. J'aime bien, c'est comme ça, ça fait plus spontané et on voit que je maîtrise un minimum ce que je dis, enfin j'espère. Donc c'est pas grave. On fait exactement comme on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai divisé le diamètre de Mars par le périmètre de la petite pyramide et on est tombé sur le nombre d'or avec une précision de 99,90%. Je fais exactement la même chose et je vous dis une grosse connerie. Donc, il y en a peut-être qui ont suivi. J'ai dit que ce liseré rose, c'était le soleil. Donc, 1 392 680, c'est le diamètre du soleil. On divise par le périmètre de la base et on obtient 1 million. Alors là, cette fois-ci, il faut que je vous le, quand même que je vous trouve la valeur parce que je ne l'ai pas en tête. Voilà. 1 617 847. Alors ne me dites pas, c'est pas 1 618 000, parce que ça, c'est le nombre d'or fois 1 million à 99,99%. Donc c'est encore une expression du nombre d'or, point barre. D'accord ? Chaque... Donc voilà, je ne sais pas à ce stade-là où vous en êtes de je suis convaincu, je ne le suis pas, j'ai raccroché, je suis passé à autre chose, ou ce mec raconte n'importe quoi. J'ose espérer, s'il vous plaît, qu'il y en ait au moins un ou deux qui vérifient, qui me fassent les retours, parce que tout ça, ça verrouille pour moi définitivement la corrélation entre les pyramides et les planètes. J'en ai fini pour la démonstration de ce point de vue, on va dire, proportion, hauteur, base. Maintenant, on va passer en vue du dessus pour définitivement verrouiller l'idée qu'en grille de lecture supplémentaire, on a le Soleil et Mars de signifier en plus de Terre, Vénus, Mercure. Donc on y va. Voilà, on est parti pour le plateau de Gizeh vu du dessus. Alors j'espère que mon plan n'est pas trop brouillon. Étant dessinateur-projeteur de formation, j'ai plutôt l'habitude de faire mes plans sur CAO, sur l'ordinateur. Donc bref, ce que j'essaye de visualiser là dans un premier temps, c'est en gros voilà, la cotation des trois pyramides, tout simple. Les deux côtes là que j'ai mis en flèche sont donc les distances entre les pyramides. C'est des valeurs, c'est des données qui m'ont servi, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, surtout la première, qui m'ont servi à déterminer que ces distances représentaient donc des distances qu'on pouvait retrouver dans la marche, dans la course des trois planètes en question, donc Mercure, Vénus et la Terre. Et là, on va focaliser sur le dernier élément de cette cotation qui ne m'a pas encore servi à déterminer, en gros, on va dire l'intention des bâtisseurs. En l'occurrence, il s'agit de l'angle qu'on a ici, puisque les pyramides sont pas tout à fait alignées. Elles forment un angle de 192 degrés. Maintenant, on fait comme tout à l'heure, on projette notre deuxième grille de lecture via les couleurs. Et on a le soleil ici, donc. Oui, on a le soleil ici. Là, on a toujours comme d'hab la Terre. Et donc là, je sais pas où j'ai foutu mon rouge, c'est pas grave. Et là, on a Mars. Ok? Donc, on va trouver ces 192 degrés. Pourquoi ils ont été choisis par les bâtisseurs? Pourquoi cet angle? Parce qu'ils avaient un plan, ils ont bien dessiner ça, il n'y a pas de problème. Alors je dis 192, c'est environ 192. Moi sur le plan que je pense avoir retrouvé, le plan d'origine des bâtisseurs, c'est de mémoire 191,68. J'ai arrondi à 192, c'est environ 192. Voilà ce que je vous propose, c'est de montrer que là, on a de signifier la course de la Terre autour du Soleil par rapport à Mars, le rapport des deux courses de ces deux astres. Tout simplement, on va faire comme ça. Vous prenez 687, donc j'ai arrondi, hein, mais les valeurs sont bonnes. C'est 686,89 en fait, divisé par 365, donc divisé par 365,25, très précisément, vous obtenez 1,88. C'est-à-dire que quand la Terre a fait un tour autour du Soleil, non, pardon, Mars C'est plutôt l'inverse. Quand Mars a fait 1,88 tours autour du Soleil, la Terre en a fait 1. Voilà. Voilà ce que ça signifie, ce rapport-là. Tout simplement, pour constater que c'est bien ça que nous signifie cette implantation comme ça, avec ce code couleur-là, il suffit, pour vérifier, de faire les 360 degrés que forme un tour, divisé par 192. Donc là, celui-là, comme c'est un peu le truc qui verrouille le tout, vous pouvez en direct prendre votre calculatrice et vous vérifiez. 360 divisé par 192, ça fait 1,88. Vous avez trouvé, je crois, 1,79 et des brouettes arrondies à 1,88. Voilà comment je verrouille tout ce que je viens de vous montrer. Je dis souvent ça, j'espère que j'aurai été clair. Je ne suis pas certain d'être un très bon vulgarisateur. J'aimerais avoir le talent d'un Jean-Pierre Petit, par exemple. J'aimerais bien avoir certaines aides, que ce soit en termes de présentation, parce que ce que je présente, c'est vraiment, je fais de mon mieux, j'essaie d'y passer le moins de temps possible, mais je suis sûr qu'on peut faire bien mieux, mieux vulgariser, mieux expliquer. J'ai vérifié, revérifié, ça fait 3 ans que je bosse sur tous ces trucs-là. J'ai de temps en temps vraiment une espèce de forte intuition qui m'amène des gros éléments comme ça, mais ça fait 3-4 ans que je bosse là-dessus, et si je le présente aujourd'hui au bout de 3-4 ans, c'est parce que là c'est du solide, c'est vérifié, revérifié. J'ai conscience que ça choque certains historiens, certains égyptologues, parce que j'ai conscience, et je l'admets parfaitement, tout ce que je montre est parfaitement anachronique avec ce qu'on sait des anciens Égyptiens. Sauf que je pense que je ne crois pas me tromper quand je dis que ce qu'on sait, ce qu'il nous reste des anciens Égyptiens, ne représente même pas 10%, et même peut-être pas 5% de ce qu'ils avaient écrit, consigné, de ce que les prêtres enseignaient dans les temples, etc. Voilà, j'ai conscience de ça, mais je ne suis pas en contradiction avec les historiens ni les égyptologues, je ne suis pas sur ce créneau-là. Voilà, je précise, et j'aimerais bien avoir de l'aide ça peut être même des historiens, des égyptologues qui ont une casquette d'astronome, une casquette de physicien, de mathématicien, j'en sais rien, pour simplement vérifier. Je ne demande pas... Après, quelqu'un qui serait capable de démonter de A à Z tout ce que j'ai montré, il n'y a pas de souci. Mais la plupart du temps, déjà, je n'ai pas affaire à des personnes réellement bien intentionnées, plutôt des personnes qui passent beaucoup de temps sur Internet, sur les réseaux, à simplement critiquer, décrier. J'aimerais bien avoir quelqu'un, même qui démonte entièrement mon travail, mais qui sérieusement et intelligemment m'apporte la contradiction. Ce n'est pas le cas. Le sujet n'est pas là tout simplement, je suis volontiers en demande d'aide pour présenter mieux les choses, mieux vulgariser les choses, et voilà. Parce que j'ai encore énormément de choses à présenter, je vais mettre beaucoup de temps à le faire, parce que c'est vérifier, revérifier, mais à un moment donné, voilà quoi, j'ai pas vécu l'aventure BAM pour rien, ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est en partie grâce à ça que j'en arrive à pouvoir étudier ces sujets-là, donc très précisément sur une niche très précise, c'est l'association des pyramides avec les astres, mais je peux vous assurer que ça fonctionne très très bien. Des fois on me dit ce que tu fais c'est facile, récupérer les positions tu vas forcément trouver une position de pyramide qui va correspondre avec la marche des étoiles, les astres bougent tout le temps. Franchement, j'ai pas fait une étude complète de statistiques, de probabilités, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les probabilités pour que tout ce que je cumule petit à petit, et en plus tout ce que je vous ai pas encore montré que j'ai dans les cartons, fait que c'est impossible que ce soit un hasard. Et dans le cas où c'en est un, je laisse la porte ouverte au hasard, mais c'est un hasard suprême. Dans ce cas-là, franchement, l'implantation des pyramides telle qu'elle est, c'est un moyen génial, super pédagogique pour des gosses par exemple, pour apprendre des notions d'astronomie. Voilà, là, grâce à ça, vous avez la position de Mars par rapport à la Terre. Et j'ai rien montré encore, il y a plein de trucs que j'ai pas trouvé sans doute. C'est juste une partie émergée, mais franchement, il y a des trucs énormes encore à sortir de ces pyramides. C'est pas pour rien qu'elles fascinent tout le monde. Et j'espère qu'à un moment donné, avec ma démarche, je vais m'adresser à des personnes au-delà de ce qu'on appelle d'un côté les pyramidios ou les pyramidiologues, et de l'autre, voilà, les historiens, les égyptologues qui, eux, pour chacun, sont sur leur précaré et avec, même pour d'autres, leurs ornières. J'espère voilà, m'adresser à tout à chacun, parce que voilà, ces pyramides, elles fascinent tout le monde. Tout le monde a conscience qu'il y a encore des tonnes de mystères à découvrir, de choses à découvrir autour de ces pyramides. Voilà. C'est pas pour rien que les scientifiques continuent de les étudier. Voilà. J'ai envie de dire, il faut aller au-delà de cette caricature de l'égyptologie, j'ai l'impression, parfaitement illustrée par... Antoine Gigal l'appelle l'homme au chapeau, comment il s'appelle, Zaïawas. Enfin, si vous n'avez pas vu le reportage sur les papyrus de Mérer, par exemple, c'est un exemple flagrant. Vous voyez la différence de comportement entre cet égyptologue, qui pour moi représente parfaitement tout ce qu'on appelle les trolls de l'égyptologie, qui sont là en rempart pour, je sais pas, empêcher que le commun des mortels puisse apporter sa petite pierre à la recherche. Regardez ce reportage si vous l'avez déjà vu. Le clivage qu'il peut y avoir entre ces égyptologues et les scientifiques, cette espèce de mépris pour les scientifiques. Oui, les égyptologues sont des scientifiques, mais c'est une science qui se base sur des éléments qui ne sont pas suffisants pour avoir une vision globale sur l'ensemble. C'est pas pour rien que depuis l'expédition de Bonaparte, et notamment Jomard et compagnie, c'est pas pour rien qu'il y a des géomètres qui sont allés étudier le truc, il y a des astronomes déjà qui ont étudié le truc, des mathématiciens. Voilà, c'est pas pour rien. Il y a des trucs aujourd'hui encore. Il faut m'expliquer pourquoi, principalement, c'est genre la NASA qui s'intéresse fortement depuis très très longtemps, depuis 40-50 ans, à ces pyramides. Pourquoi c'est Dassault Systèmes, industrie de l'armement, qui s'occupe de ça. Et pourquoi il y a très peu de transparence sur toute la recherche, quoi. Là, je vous ai montré en début de vidéo une présentation 3D faite par Franck Ladoux. Vous pouvez aller voir sa chaîne, il y a d'autres petites vidéos, c'est un travail remarquable. Mais quand on prend l'exemple Dassault Systèmes, ils ont fait un travail similaire avec des outils de dingue, ils ont tout mesuré, scanné dans tous les sens. Pourquoi ça, c'est pas disponible? Pourquoi c'est pas ouvert au public pour que chacun puisse aller voir et éventuellement étudier, regarder? Parce que, c'est que je sache, c'est le patrimoine de l'humanité, ces pyramides. Ben voilà, bref, je suis parti dans... Je sais pas si tout le monde m'a suivi jusqu'à la fin, mais j'en ai fini avec ça, et je compte bien continuer à proposer du contenu inédit ou très 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 peu connu, ou des trucs, des travaux, mais je les citerai à chaque fois quand ce sera pas de moi, des travaux en anglais qui sont pas traduits. Il y a tout un tas d'autres choses. Je sortirai même presque quasiment du cadre des pyramides sur ma prochaine série Méo Technica, où là on va partir dans la construction du système solaire. En gros, alors c'est pas un clin d'œil aux formations, on compare les Kerr. Voilà, je vais vous montrer comment on peut reconstruire le système solaire rien qu'avec des formes géométriques très simples. Pareil, ça c'est un moyen très très ludique de mémoriser, en proportion bien sûr, le système solaire. Comment s'est formé le système solaire sur une matrice géométrique de dingue, avec le nombre d'or, avec... enfin voilà. Voilà tout ce que je voulais vous partager, donc très... Une vidéo très passionnée, je l'ai fait en un coup, hein. Il y a juste des coupures, genre pour que je boive un coup et que... Mais voilà, j'ai fait ça d'un seul jet pour que vous voyez bien que je maîtrise quand même un minimum ce que je propose. Et voilà, bon, je vais arrêter là. Allez, tiens, les petites dédicaces, j'en ai parlé tout à l'heure à Jean-Pierre Petit, Donc moi aussi, en voyageant en Égypte, un Égyptien m'a offert ce scarabée. Donc j'ai presque envie de faire un petit appel. Je sais que tu as beaucoup de travail sur plein d'autres trucs, notamment le modèle Janus, que j'essaye de suivre avec difficulté, mais qui est super intéressant. Et comme tu t'intéresses aussi à l'Égypte et que tu as déjà partagé des choses très intéressantes là-dessus, voilà, on a déjà été vaguement en contact il y a fort longtemps. Quand tu as raconté cette histoire de scarabée, ça m'a fait tilt, parce que voilà, moi aussi à mon petit niveau, j'ai vécu le même type d'expérience a priori que tu as pu vivre, et ça me ferait grandement plaisir que tu puisses prendre le temps, ou avoir le temps surtout, de considérer un petit peu tout ce que je propose, parce que je pense vraiment que ça vaut la peine. Et encore une fois, ça ne rentre pas en opposition avec ce qu'on sait déjà des anciens Égyptiens. Merci, au revoir, à bientôt.